Carl! Alors ça va? Ça va bien, merci toi. Écoute, je me demandais ce qui se passe avec ta femme, c'est un bout de temps qu'on l'a vu dans le coin. Ah, elle est malade. Elle est vraiment souffrante, le médecin dit qu'elle a besoin de repos puis qu'elle va recevoir de visite. Écoute Carl, je peux faire quoi que ce soit pour me rendre utile, t'as juste à le demander, pas de problème. Je vais engager une infirmière, c'est correct, je m'occupe de tout. Ah, si tous les maris étaient comme nous. Ah ben, en parlant de ta femme, je pense qu'elle va mieux, je viens de la voir au deuxième étage. Je vais aller voir ce qu'elle fait, Jeanne. Salut Carl! Vous êtes Monsieur Bogue? Oui, rentrez. Ben en fait, je viens d'arriver en ville, donc j'ai pas mal de temps, là. J'ai un horaire assez flexible. Ok. Et quelle tâche je peux vous faire? Ben, je sais tenir une maison, je peux faire n'importe quel travaux ménagers, je cuisine bien. Et puis je sais faire les premiers soins aussi. Parfait. En fait, j'ai surtout besoin de quelqu'un pour le ménage et la cuisine. Je sais pas cuisiner. Et en fait, ma femme, elle ne veut voir personne d'autre. Comme je vous l'ai dit, au téléphone, elle est très malade et elle a besoin de repos, d'une tranquillité qui est absolue. Et j'espère que vous allez pouvoir respecter ça. Ça doit être bien clair. Bien. Je remercie le bon Dieu chaque jour qu'il la garde près de moi. Je prends soin d'elle, c'est mon devoir. Ben, c'est un beau geste. Bien, merci. Elle me fait tellement penser à Laura. Donc, je commence quand? T'as encore préparé un plat délicieux. Laura, elle adore ce que tu fais. Tu lui dirais que ça me fait plaisir de cuisiner pour elle. Puis que, ben, j'aimerais ça la rencontrer un jour. La météo, c'est de la merde. Je peux pas te laisser partir. Ah, c'est sûr, hein? Écouter un film, ça te dit? Rebecca de Hitchcock, tu connais? Ou tu pourrais venir chez moi? C'est même pas. Faut que j'écoute de l'or. Ça fait tout le temps, ça. Je peux pas. Quand est-ce qu'on va partir ensemble, tous les deux? À demain. Ouais, c'est ça. Emma? T'es où? Je peux plus attendre. Elle va savoir que la chambre est vide, faut que je passe à l'action. Ce soir. Oh, attends. Tiens, c'est l'assiette pour Laura. Merci. Tu redescendras, j'ai fait quelque chose pour nous deux. Parfait, j'arrive. Thank you.
Maman a aimé le repas? Oui, comme à l'habitude. Carl, est-ce que tu m'aimes? Oui, bien sûr. Puis quand ta femme va mourir, est-ce que tu vas m'aimer encore? Qu'est-ce que tu veux dire quand ma femme va mourir? Disons que j'ai mis assez de poison dans son assiette pour faire avancer les choses. Thank you.